Vraiment. Wesh, bonsoir. Oh là là, il y a ton number one fan, mec. Il s'est tatoué ton pseudo, tu le sais? Non, je suis sérieux. T'as pas vu sur Twitter, vous avez pas vu? Non, c'est pas vrai. Putain, il a failli m'avoir, ce... Easy, mon gars. Ouais, bon. Mais franchement, j'ai un bugué de ouf, en plus. Franchement, j'aurais presque cru, bah... Tu suffit de le voir arriver sur le stream alors qu'il y a Jagoff, tu vois. Ils ont tout scrim, putain. Les gens les plus naïfs, ils sont là. Moi, j'y serais à fond. Hein. Quelque... Ah, t'as qu'à descendre faire 20 pompes pour s'échauffer. Il faut, hein. Il a les bras, oh. Ils sont congestionnés. Les veines. Se mettre en forme, mon gars. Par contre, on n'a pas le temps, je pense que je passerai dans le G du 7. Ça roule. Oh mec, le fond d'écran est gothèse. Petit Majora's Mask là. Mais c'est pas petit Majora's Mask. C'est son gamin qui a. Ouais, mais même, c'est pas grave. Oh là là, le début de 7. Il est trop stylé, masque de ton fils. S'emballer. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça lag. Mec, il a fait l'épervier. Il a pas eu de chance, il a pas eu de chance. Ah ouais, c'était la Zursq, non? On m'a toujours dit dès que tu perds, c'est que t'as pas de chance. Ouais, c'est ça. Majora's Mask, c'est son gamin. Ouais, mon fils, c'est Majora's. Oh là là, mais c'est quoi ces restes? C'est les restes de Victor, on va te dire. Mais non, c'est Kalaf. Tu sais, mais c'est littéralement des restes de tête. Que des cons sur le stream. L'élève a dépassé le bête. Non. Mais je crois même pas qu'il lui a appris quoi que ce soit. Hein. Ouais, je pense qu'il a appris tout seul, cet enfant. Je sais pas ce qui va pas là dans le gameplay tech, c'est peut-être qu'il est un peu trop aggro, non? C'est vrai qu'il a l'impression qu'il est tout le temps dedans, genre. Ouais, je pense qu'on va attendre histoire de voir s'il va changer un peu. Oh, le J-Mix-Up. Smash Backer. Ça, c'est la phrase fétiche. Smash Backer. Il a eu de la chance, quoi, donc. On va te voir à l'Arcamélé, Jack. Ouais. Ça va, c'est ça. Je vais dire bonjour, quoi. Je suis toujours pas inscrit, je sais pas si tu m'inscris. Jimou qui m'a dit que c'était ton plus grand fan, il veut te voir. Tu savais que Jimou, c'était à l'étoile. Comment? Tu sais que du coup, c'est tatoué le. Le la Pierre Jagoff sur les. Ah ça partait, mon couillon, gars. C'est ça qu'on aime. Exactement. Voilà, mec, j'ai tourné une seconde des yeux du set là. Et il va mettre un combo de ouf. Non, il a pas mis. Pas d'overextend. Pas d'overextend. On laisse Puff ré-overextend pour le retenir. Oh, il a fait un petit cri. Je crois qu'il a gagné 10% en puissance la tête. Ouais. Et il a pris le petit buff là. Il donnera bien de vrai. Allez, nice backer. Oh, j'ai le téléphone qui vibre. Deux nice backers dans ce set, quand même. Aïe. Aïe, le JV3. C'est de la chance. Il s'échauffe les cervicales. Prépare la pop-off. Je pense que c'est déjà parce que c'est le hasard. Ah non. Le match, en fait, c'est un échauffement pour le pop-off, en fait. Tu transpires, tu chauffes, mais c'est juste pour préparer la pop-off. Et être là, précisément, quoi. Parce que sinon, ça finit comme Wizrob. Pop-off, tu t'évanouis. Ouais, tu tombes. D'ailleurs, le match était fou. Vous êtes des vieux de la commune, les gars, des gros vieux. Comment ça? Des gros vieux là, les vieux grands, les cheveux blancs là. Pour vous, c'est qui le GOAT de mêlée français, genre, all time? Ça joue entre qui? Entre Mackenzie et Tech, non? Ouais, non, c'était notre fois, c'est compliqué à dire. C'est comme dire que Ken, c'est le GOAT, quoi. Je suis contre cette idée. En vrai, c'est close ou il y a vraiment un des deux qui sort du lot, genre? Bah, Tech pour ses représentations à l'étranger, quoi. Bah, ouais, je pense en vrai. Mais après, il y a eu de la chance quand même. Ouais, c'est. Mais du coup, si on met Mackenzie derrière, c'est qui le troisième? Mais vous savez quoi? Donnez-nous vos avis dans le chat. Qui est le GOAT de la commune mêlée française? Un pour Victor, pour Tech, et deux pour Mackenzie. Voilà. Vous allez faire le débat à notre place, hein, parce que. C'est pas mal, c'est... Faut pas se mettre d'accord. Bon, je suis prêt à assumer la vie des gens. Combien pour Jack? Ah merci FH. 3 pour Jack. J'allais dire justement c'est qui le troisième, les gars. 69 pour Jacob. Brog. Brog, ouais. Brog. Plus de Jago pour l'instant. C'est pas le mec qui ressemble à Cyprien? Ouais, c'est Brog. Vrai. C'est un amour. C'est bon, je vois c'est qui ces mecs qui jouent Pika là. On parle en temps de résultats de tournois. Et pas des tournois organisés, des tournois joués et remportés, tu vois. Ah, il fallait pas poser une question, mais en même temps, c'est incapable d'y répondre. Ouais, tu poses des questions à des gens comme ça, là, qui veulent juste. Tu donnes choix 1, choix 2. Oh. Mais c'est quoi les autres choix? C'est les mêmes, là, les smashers. C'est pas ça? Non, mais ouais, hein. Ah, let's go, Tech. Je crois que les pompes, ça l'a bien aidé, là, il est en train de se. Je crois qu'ils aiment pas les chiffres. Ils aiment pas les chiffres depuis le dernier PR. Aïe. On parle pas de choses qui fâchent. Mec, moi j'ai pas été dans le dernier PR à deux doigts de poser un dossier de 100 pages, mon gars.
Et encore, 100 pages, je fais le résumé des 200 pages. Hein. Moi, je cherche des nice backers. C'est un condensé, quoi. C'est la version Kai. Oh nice là là. Le 12%, il peut pas mettre un petit pourcent de plus, là, pour représenter. Oh là là. Ah, nice backer. C'est joli. Petit punish, là. Qui tech chase comme ça, il savait où il allait aller, là. Il n'y a pas le choix. C'est pas fini, les gars. Ah non, c'est vrai que c'est pas fini. Non, mais c'est Kanor, là. On sait pas ce qu'il peut faire, hein. Moi, je pense que c'est... Ce match-là, c'est un... j'ai envie de dire ingagnable. Hein. Une fois que je joue bien. Oh là, il y a eu de la chance, là, sans déconner, il y a eu de la chance. C'est qui a le plus de boutons détachés, c'est Tech ou c'est Kanor? Le bouton de... le plus cool, je crois, c'est autant. Tu vois pas, non, sur leurs avis crois, c'est même... qui le plus décontracté là? De toute façon, même ça, non, je crois, c'est Kanor, je crois. Non ouais. Non. Mais qu'est-ce que. Si tu te plaignais qu'il n'y avait pas de DI? Ah, mais il y a deux vies, ah oui, non, pardon, ok. Ouais. Ah, tu pensais que c'était de la stock, genre ouais. Ah, pas droit. Il n'a pas réussi à faire les gardes. Il n'a pas droit, maintenant il a droit. Non, il y a droit de reste. Le reste est sur la table. Va-t-il être servi? Type de table. Oh. Bon, là, il y a le truc pour ça. Aïe. Oh. Ça tue pas. Il s'est allez. Fait avoir comme un... Oh là là. Si c'était le piège, comme Jean-François. Jean-François piège. Jean-François piège. Il y a eu la grid. J'ai eu la grid. N'empêche qu'il y a que Fox et Falcon qui peuvent venir punir Puff à cette distance, je crois. Ah, parce que bah, c'est que eux deux qui vont super vite, genre. Et puis après, ils ont pas, enfin, les autres persos, ils ont pas non plus de... d'options. Allez. Ouais. Ouais. Après, être arrivé si vite, quoi. Paco, il peut... Paco, il peut downer pour rien faire après. Paco, il peut... Il peut. C'est pas ce qu'il peut, mais il peut. Oh, mais un Shine. C'est vrai que là, il commençait à être à court de saut. Un Shine aurait pu lui faire du mal. Joli grab. Oh, finito. Ah, ah, j'ai pris à peu près avec la GI, ça passait. Celle-là. Ah, oui, il aime bien celle-là. Mais en même temps, comment ne pas aimer un move pareil quand tu l'as dans ton dans ta pool de move, quoi. Y'a pas juste le up smash là. Oh, oh, allez, on va faire sentir le grab, quoi. 64%, je pense que ça tue quand même. Il avait peur du smash DI, le grab, le smash. Bon, tech sur le bord. Des trucs. Oh là là. Ah, interception, interception. Il l'attrape. Il fiche le grab. Ça tapote, là, on grabe des petits pourcents. Bon, là, quasiment un kill pour cent. Bien, bien, bien. Ah, ça, c'est un kill, ça. Là, il peut mourir. Ça vaut le coup, il peut mourir. Mais en réalité, ça vaut pas le coup du tout. Ouais, ouais. Ah, il a pas eu de chance. C'est des choses qu'on apprend avec l'expérience. Des choses qu'on apprend avec l'expérience, mais c'est vrai que la chance, encore une fois, joue une part importante. Un peu de plus, ça. Ouais, c'est, de toute façon, c'est les mecs les plus chanceux qui sont forts à mêler, genre. C'est bah, si tu regardes bien. Est-ce qu'il y a un mec Mango? Mango, bah, il joue beaucoup au casino. C'est ça qui est aussi fort, genre. Il joue beaucoup au casino. Il y a même entraîné avec la chance. Ouais, ouais. Ils entraînent leur chance, en fait. Si vous avez des entraînés, dansez tous. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es qu'il a plus eu de stock, là? Il avait pas une chance. Ouais, je pense que c'était une des chances de ces canards. Ah, ouais, c'est compliqué. Là, par contre, la chance de ces canards sont oui. Ah, c'est canards. Et c'est de oh là là, la chance. On évite de dire des grossièretés, quand même, par contre, sur le chat. Bien vu. On peut et ban, ça y est. On peut ban Bidouf dans le chat. Lyong. Et les deux ils sont de Lyon alors. Et c'est parti pour un super. Oh ça va. Ça va pas nous aider. Qui ok d'accord. C'est une société. Qui est-ce qui? Bah JS je pense c'est le tag jeu sociaux de l'FM du coup. Ah, c'est pour ça. Et c'est Victor ouais. Oh le puff Dito. J'ai mis du temps à réaliser. Ah mec moi je regarde la chevelure de Jagoff. Elle est hypnotisante. J'en ai pas. Mais justement. Ah. Mec, c'est rare. C'est vrai, c'est vrai que c'est pas très rare. Quand plus tu deviens bon à mêler, plus tu perds tes cheveux. Non, ça, c'est vrai, ça, on avait déjà trouvé ça à l'époque. Là. Ouais, c'est réel. Moi, non, c'est quand j'ai arrêté de jouer à mêler, j'ai perdu mes cheveux. Ah, bah, c'est la chance. La chance. On en a toujours même. Hein. Pas de chance de gauche. Je sais pas pourquoi, mais oui, c'est vrai. Peut-être pour les cheveux. Mais tu connais le proverbe calvitie précoce, chichi féroce. Pourquoi pas avoir les deux. J'allais dire. Il faut ban Bidouf. Il avait vu le guerre dans le chat. C'est ça qu'il a marqué la fat. Il a dit Mango, c'est la chatte incarnée. Je ne fais que citer. Ce ne sont pas mes mots. Je ne fais que relater les faits. Exactement. Ah, il faut se calmer. Tel un avocat. Un Noslander. Et ça, c'est un joli up smash out of shield. La France. Pourquoi il bouge plus vite avec Puff qu'avec Fox Tech? Je comprends pas. C'est une dinguerie quand parce même. Parce qu'il y a moins de cheveux sur Fox que sur Fox. Puis là, il est plus gros. Pardon. Ah ouais, mais mec, c'est. Ça ressemble à ta tête, Puff, non? C'est pire en pire. Ouais, c'est marrant d'ailleurs ça. Il est très bien ce film.
Le film ? Ouais. J'ai pas vu. Bah franchement, regarde le. Il est incroyable. Ouais, ouais. Oh, il a fait sucer qu'est Rondo, c'est pas ça. C'est pas le live action de One Piece. Il y a vraiment le live action de One Piece, c'est mieux. Et il y a des personnes avec des cheveux. Y'a pas un délire avec Chopper, il est dégueulasse. Ouais, il s'est toujours pas créé. Mais on l'a pas vu. Par contre, je pense qu'il va être dégueulasse. Mais ça, c'est carrément pas le. On va s'habituer comme les hommes coucou à ça. Non, ça m'en dit pas habitué. Ah, c'est ouais, c'est pareil que les poissons aussi sont pas beaux, genre. Arlong du passé, il est stylé. Ouais, de ouf. Bien plus de charisme. De charisme. Ah, il y a sa chapka. C'est quoi ? C'est bizarre, mais on a tendance à dériver pendant les matchs de flotty. On... Ah, c'est difficile de commenter. Déviant. Vas-y, on va commenter play by play. Vous êtes chaud, les gars ? Non, merci. Play by play. Oh, le backer, il est joli. Nice backer. Nice backer. Nice fair. Nice backer, mais en l'air. Oh, il est plus chaud ? Non. Quelle est cette... Allez, encore. Quelle est cette action ? Oh ! Let's go ! La chance, c'est que mec. Regardez faire qui était autant dans le questionnement. Ça, il se demandait lui aussi, mais qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que la chance d'être avec lui ou... Personne n'a cru. Comment ? À tech. Personne n'y a cru. Personne n'a cru à tech, mec. Moi, j'ai cru. Tu as cru ? Moi, j'ai cru, ouais. Tu savais qu'il y avait la chance avec... Ah ouais, mec, c'est tellement la chance. J'ai pas regardé. C'est quand même compliqué, hein, 35. Ah, mais ça y est, mais il faut arrêter, là. C'est juste pour le flex, hein. Il joue plus avec le nuage qu'avec ses canards, je comprends pas. T'as raison. De toute façon, il y a un moment où on sait pourquoi on joue à mêlée, hein. Soit c'est pour gagner, soit c'est pour flex. Ouais. On a tous fait notre choix dans cette vie. J'ai fait un mot, je l'ai fait il y a très longtemps. J'en ai perdu des cheveux. Et j'ai gagné 230 000 vues sur internet. T'as pas fait arrêter une Samus de jouer à mêlée, genre ? Ah ouais, ah si, il est devenu un des meilleurs joueurs d'Ultimate maintenant. Comment il s'appelle ? Quick. Ah, c'est. Moi je balance pas les noms. Moi je balance, c'est Quick. Quick. Ah ouais. Tu lances Réro, il s'est éteint en même temps que la compagnie. Dengri. Il y a une histoire trop marrante. Il y a un gars à HFN un jour, il me fait hey, c'est toi le Goff ? Ouais. C'est un Allemand. Il me fait attraper de Quick ? Ouais. Je suis là pour le venger. Je l'ai 3-0 en 7 minutes. Oh la vengeance, mec. Je me rappelle pas son blab du gars. C'est un plat qui se mange sans rien pour lui, Miskin. Il est triste quand même, ouais, Miskin. Un nom de plus sur la liste. Il s'appelle Fox. Voilà, c'est ça. Il s'appelait Fox ? Non, il jouait Fox. Ah. Il s'appelle Fox. C'est le seul nom qu'il méritera aujourd'hui dans le discours. Il avait des cheveux, lui. Oh, il y a pourquoi il était pas très. La chance. Shield de Sekanor. La chance. Deux stocks, ça va être chaud, Puff Dito. Oula. C'est difficile à comeback dans ce genre de match-up, mais ah ouais. Rien n'est impossible. Et en plus, on n'a pas vu de reste, hein, je crois. Pas sûr, ça. Les gars, vous êtes beaux, je vous casse. Allez, allez. Bon, allez. Ciao, mon gars. À la prochaine, ça fait plaisir. Je suis content, moi. Non, ça, c'est là. On voit bientôt. Y'a Goff qui se barre du cast. Bisous, les gars. Ça va. Oh, y'a des gens, ils ont droit à des bisous. Je suis jaloux. Allez, c'est pas fini, le petit masque-casque qui prend. Waouh, je sais pas si le micro nous capte bien, si on est calé dans si, le canal. Si, ouais, ce qu'il dit capte bien. Allez, let's go. Corentin a l'air de dire que oui, ouais. Oh, le last stock, je stresse pour lui. Mais bon, c'est pas fini. Super morceau. Super randal. 92% c'est remontable, les gars. Là, je crois qu'il y a le smash qui tue, non ? Ouais, c'est sur ce stage, ouais, c'est quasi sûr qu'il tue, en fait. Là, il va avoir du mal à taper dans le chic tech. Oh là là ! Attention, c'est pas fini. Il faut tenter. Mec, tout peut se passer, là. En réalité, ouais. Vraiment, tout peut se passer. C'est le smash, ça va pas forcément être facile à prouver. Faire gaffe là sur la recovery. Je vais continuer à jouer un jeu patient du côté de Sekanor, pas essayer absolument de trouver le kill. Ouais, t'es ouf. Mec, voilà. Heureusement qu'il est parti dans ce sens, parce que je crois que dans l'autre, ça peut mourir. Ce genre de jeu là. Oh là là ! On veut la game 5. J'ai tellement les mêmes watts. Je suis encore plus que. Mais mec. C'est une dinguerie. Oh là là, le comeback de Tech. Swan Kiwi, papa, plus fort que lui. Swan Kiwi, il aime trop crier, en fait. Ouais. Il parle doucement, mais il crie fort. Mais c'est un joueur d'orgue, il aime faire du bruit. Un joueur de quoi ? D'orgue. C'est quoi, orgue ? Tu sais, c'est des grands instruments à touche. Ah, orgue, O-R-G-U-E. Exactement, okay. Dans les églises, les grands instruments dans les églises qui font du bruit. D'accord. C'est pour ça que tu peux, tout à l'heure, pendant qu'on jouait, il disait Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Ouais, je crois. Je comprenais pas, ouais, genre. Il a un délire un peu, ouais. Il faisait des prières. C'est totalement faux, by the way, on va. On va pas lancer des rumeurs sur le stream. C'est totalement faux. C'est quand même respectable. Mais tu veux l'ordre, tu l'as dit, ça c'est vrai. Et qu'il gagne alors qu'il a deux fois moins d'input. C'est vrai qu'on n'a pas analysé les stats post-game. Mais c'est Kador qui joue beaucoup son stick, plus que Tech. C'est Kador qui s'impose dans sa première. Ce nerf-là était trop convaincant.
Ouais. Il a l'air de maîtriser le match-up à un level. C'est canon, franchement. Ça, je pense que ça doit être le délire, genre en train de dire c'était que le massacre, mais ouais. En tournoi il joue super bien. Après je sais pas s'ils ont déjà friendly ces deux. Allez on y croit, même si c'est chaud au niveau du pourcent. Il a un super bon walling quand même. Franchement il joue trop bien le stage sur Dengri. Mais il overextend littéralement jamais. Il joue contre Tech, et ça faut pas l'oublier. C'est pas fou, les amis. Ouais, je pense que c'était trop tôt, ça tuait pas. Pourquoi il appuie autant sur les gâchettes de shield? Ben je crois qu'il fait des wavelands et beaucoup d'health cancel. Sinon je vois pas le but. C'est grave. Qu'est-ce que tu fais de ce grave? Ah là là, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Mais bon, faut jamais calm down. Mais là c'est chaud quand même. 100 fois plus de temps, c'est pas. Moi c'est pas. Par contre, le Fighters là, tu changes de perso là. Je vais faire du sale maintenant. Là ça va être compliqué. C'est canon, je sais pas s'il s'est fait clutch dessus à ce tournoi. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il a clutch tout le monde et toutes les dernières games il les a eu, tu vois. C'est vrai qu'il a quand même été incroyable. Ce petit shot win juste avant. Il a perdu contre qui en winners? C'est pas Raoul. Contre qui? Raoul. Raoul? C'est tout. Ah ouais. J'ai juste perdu contre Raoul pour l'instant. Ok, bah du coup il s'est pas fait clutch, je crois. Il est en winners. Un peu le goût. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir de voir des. Peut-être qu'on a pas forcément l'habitude de voir comme ça faire des belles perfs. Ça me chie. C'est bien, ça va venir. Hein. Ouais, ça va venir, mais alors c'est une. Mais c'est pas dit, déjà deux stocks de retour. C'est pas dit, oui. La game 5 est toujours là. Rien n'est dit du tout, mais c'est quoi ce combat qui va nous faire genre. Interdit de reste par contre. Oh là là ça. Il a pas pris 1%, ça fait deux games. Faut continuer à jouer. Faut jouer. Qu'est-ce qui se passe là? On continue à jouer comme ça 2 minutes là. D'accord, on est en train de. C'est qu'elle brise un peu le tempo. Un revival du set de. Oh là là, attention les jumps. Oh là là, ça, non, ça finit jamais mal avec Tech. C'est son meilleur pote, Randall. Il a fait des appendings. Bravo à Sekanor. Oh Sekanor en fucking losers finals. La durée des matchs, quoi. 1,50 et. Ouais. Quel rapport. Bien joué. Choqué de Sekanor. Actuellement. C'est bien, tu veux passer mon sac peut-être. Je veux bien grimper à Lyon et s'imposer. Du coup, il va avoir droit à. Il se passe ouais, tu peux. Non. Ouais, bien sûr. Ça va être donc Raoul, c'est Sekanor maintenant. C'est bien.